16 juillet 1945. Première explosion expérimentale d'une bombe de très forte puissance et d'une très forte radioactivité, résultant de la fission de l'atome à Los Alamos, dans le désert Morave du Nouveau-Mexique. L'humanité vient d'accomplir le début d'un tournant fondamental, encore inachevé à ce jour. Car il s'agit bien, dès 1943, d'une affaire centrale pour l'humanité, alors même que, pourtant, du centre de la Russie aux archipels lointains du Pacifique, des batailles décisives se déroulent, engageant la vie de millions d'hommes. Et pourtant, les quelques centaines de savants et de techniciens de laboratoire qui élaborent dans la fièvre la première bombe atomique et les quelques dizaines d'espions qui les observent pèsent déjà plus lourd à l'échelle du développement de l'humanité. Quelles sont les étapes de cette invention extraordinaire? Et en premier lieu, qui est à l'origine de la bombe atomique? Pour la première fois dans l'histoire, l'arme atomique n'est pas une commande du pouvoir militaire et politique, mais l'aboutissement d'une démarche de savants. Depuis qu'Einstein avait posé au début du XXe siècle la célèbre équation E égale MC2, on savait que la masse pouvait se transformer en énergie lorsque la matière était portée à certains états particuliers. Mais tout cela demeurait assez théorique encore, jusqu'en cette fin d'année 1938, où Frédéric Joliot-Curie, prix Nobel de physique et grand savant français de gauche d'un côté, Lise Meitner, brillante chercheuse juive allemande qui venait tout juste de gagner la Suède de l'autre, s'apprêtaient, chacun à leur manière, à publier deux articles assez proches et dangereusement explicites. L'un sur l'instabilité de certains composants tels que l'eau lourde, l'autre sur la possibilité de dégager une énergie considérable par bombardement d'atomes très instables d'uranium. Nous sommes à l'automne 1938, au plus profond de la dépression européenne. Hitler vient de triompher à Munich, Freud est arrivé mourant à Londres. Bientôt, la nuit de cristal signera l'arrêt de mort du judaïsme allemand. Laszlo Szilard, prix Nobel de physique lui aussi, ancien chercheur au Kaiser Wilhelm Institut de Berlin, est l'un des meilleurs amis et collègues d'Einstein. Après quelques années d'exil à Londres, il enseigne la physique à New York. L'article de Joliot-Curie le met en émoi. Il faut, pense-t-il, empêcher la publication, car il pourrait aider les nazis à se doter de l'arme absolue. Encouragé par Erwin Schrödinger, prix Nobel de physique réfugié en Irlande, qui convainc Lise Meitner de rester prudente, Szilard, accompagné de son ami proche Eugène Wigner, va trouver Einstein à Princeton et le persuade de mettre en jeu son crédit pour écrire à Roosevelt afin que les États-Unis puissent devancer l'Allemagne dans la course à l'atome. C'est ce que ce dernier fera. Mais la demande d'audience tarde et malgré la bienveillance de Roosevelt, Einstein se heurte à l'incrédulité et à la suffisance des militaires pendant 2 ans au moins. Une première recherche est néanmoins engagée dès 1941 au laboratoire métallurgique de l'Université de Chicago. Entre-temps, Churchill aura apporté son soutien propre en révélant à Roosevelt l'état des recherches britanniques stimulées par le sauvetage du plus grand stock d'eau lourde évacué du Collège de France à Paris en 1940 par 2 élèves de Joliot-Curie, Halban et Kowarski. Bientôt, Roosevelt confiera à un grand technocrate de ses amis, Vannevar Bush, le soin de rassembler tous les talents disponibles pour avancer le programme nucléaire. Le projet Manhattan est né. Il n'empêche, pour la première fois de l'histoire, ce sont les savants, et non des moindres, puisqu'Einstein est à l'origine de la démarche, qui sont allés chercher politiques et militaires pour leur faire endosser une recherche particulièrement meurtrière et destructrice. L'innocence de la science est ainsi à jamais perdue. Et pour quelle raison cette effervescence scientifique a-t-elle pris place aux États-Unis et nulle part ailleurs? En fait, seule une démocratie libérale comme l'Amérique pouvait accorder aux savants un tel accès au pouvoir politico-militaire. À la même époque, les physiciens soviétiques en étaient à se battre encore pour faire accepter par les autorités la légitimité de la physique einsteinienne, jugée insuffisamment matérialiste ou dialectique par les bouffons de Staline. Chez Hitler, aucun physicien, ou presque, n'avait jamais été reçu, le grand Max Planck humilié à plaisir par le Führer. Mais la démocratie n'explique pas à elle seule la primauté des États-Unis. Il se produit en effet entre 1933 et 1939 un phénomène unique au monde, la migration en masse des intellectuels et des chercheurs européens persécutés et leur regroupement dans les universités de la côte est des États-Unis, situées à proximité les unes des autres. Le raccourcissement des circuits de communication et d'échange produit une véritable accélération du progrès.
car il faut encore faire ici mention d'un problème plus délicat encore. La majorité des protagonistes du projet Manhattan sont des Juifs venus d'Europe. L'ingénieur en chef du projet sera lui-même un Juif américain, Robert Oppenheimer. Ces hommes ont le sentiment, certes encore imprécis car ils ne savent pas tout du génocide, que se mène une lutte au couteau pour la survie de l'humanité et qu'elle se déroule ici à coup d'équations et d'expériences de laboratoire. Ce sentiment décuple sans aucun doute leur force, car ils sont tous venus au départ pour un même objectif scientifique. Lequel ? L'objectif est en fait triple. Créer une réaction en chaîne à partir d'atomes d'uranium pour provoquer une explosion. C'est le phénomène le plus vite maîtrisé. Parvenir à reproduire cette réaction de fission dans le circuit fermé d'une bombe, enfin et surtout parvenir à développer un engin portable par un bombardier stratégique, ce qui suppose des efforts non moins considérables de miniaturisation des circuits. Finalement, la bombe attendue pour 1946 sera prête à être testée, très volumineuse, fin février 1945, plus tôt que prévu, mais trop tard pour être utilisée contre l'Allemagne tant redoutée. Et c'est alors que commence, dans un véritable compte à rebours, une révolte éthique aux implications considérables à long terme d'une partie de cette communauté scientifique. Est-il légitime que les États-Unis possèdent un monopole de fait sur cette bombe ? Et que fera-t-on de la bombe après la guerre ? Il va de soi que les réactions des pouvoirs publics seront très réticentes vis-à-vis de toute communication avec l'Est. Lorsque Churchill entendra le grand physicien danois Niels Bohr, de passage à Londres en juin 1945, lui soutenir qu'il devrait informer complètement les soviétiques sur l'existence de la bombe, le premier ministre britannique envisagera un moment de kidnapper l'inventeur de la théorie des quanta avant qu'il n'ait trop parlé. Laszlo Szilard, qui avait été laissé un peu de côté dans le projet Manhattan au laboratoire de Chicago, commencera à assaillir de pétitions le nouveau président Truman pour qu'il renonce à l'emploi de l'arme. Ces démarches, à la fois fulgurantes et encore confuses, auront une grande portée à long terme. Dans l'immédiat, elles se heurtent pourtant à une fin de non-recevoir. Pourtant, 4 ans plus tard seulement, le 29 août 1949, la première bombe soviétique explose à son tour. Cette rapidité de réaction soviétique ouvre la porte aux suspicions. L'espionnage les aurait-il aidés puissamment ? En réalité, dès l'été 1946, Truman savait parfaitement que tel était bien le cas. Aujourd'hui, après un demi-siècle de camouflage soviétique, le doute n'est plus guère permis. À Los Alamos, les Russes ont remporté le véritable Austerlitz de l'espionnage. S'ils ont su assez vite réunir chez eux une équipe performante d'excellents physiciens, dont Andrei Sakharov, en revanche, les apports décisifs sont venus très vite de sources du KGB en provenance des États-Unis. Cet organisme de renseignement revendique avoir infiltré en tout une quarantaine d'agents dans le programme nucléaire anglo-américain, depuis le plus simple technicien de laboratoire jusqu'au plus grand chercheur, en passant par de modestes mais efficaces courriers comme le couple Julius et Ethel Rosenberg, qui eurent à le payer de leur vie en 1952. On connaît bien quelques-uns d'entre eux, le professeur communiste anglais Alan Nanmey, le physicien communiste allemand Klaus Fuchs, un autre jeune communiste italien, Bruno Pontecorvo, ou encore le jeune physicien communiste américain Edward Hall. Mais que penser des grands ? Oppenheimer, Fermi, Segré, Szilard, souvent sympathisants de la cause communiste avant 1939. Oppenheimer, en particulier, concentre les interrogations sur son cas. Il a certes quitté le Parti communiste américain en 1939 pour protester contre le pacte germano-soviétique, mais il a revu son ami communiste Hakon Chevalier après avoir été nommé directeur du projet Manhattan, bien qu'il l'ait désigné comme suspect lors de son enquête de routine de sécurité en 1942 et a eu aussi l'occasion de s'entretenir avec le consul soviétique à San Francisco, Jacob Heifetz. En 1994, le général du KGB Soudoplatov, ancien chef des opérations spéciales de Beria, a accusé explicitement Robert Oppenheimer d'avoir renseigné l'Union soviétique, comme l'affirmèrent tous les maccartistes américains qui tentèrent de le détruire moralement dans les années 1950. L'affaire est sans doute plus complexe.
Oppenheimer n'était pas homme à se faire embrigader dans une affaire d'espionnage. En revanche, militant politique de longue date, Oppenheimer peut avoir pris de lui-même la décision purement personnelle d'informer des interlocuteurs soviétiques du projet Manhattan, mais certainement pas de ses détails techniques. S'il le fit dans le courant de l'année 1942, alors que l'Union soviétique combattait pour sa survie et celle de l'humanité tout entière, ce ne fut pas par pro-soviétisme aveugle, mais sans doute parce qu'il craignait jusqu'à la terreur qu'Hitler fût le premier à disposer de l'arme absolue. Ce geste, très compréhensible dans ce contexte, devenait inavouable dès 1947 et le déclenchement de la guerre froide. Il ne fait pourtant pas d'Oppenheimer un traître à son pays, encore moins un criminel. Certes, ce poids immense des savants et des intellectuels dans un tournant de l'histoire humaine qui ne sera complet qu'avec la maîtrise pacifique de l'énergie de fusion thermonucléaire, encore du domaine de l'utopie, peut donner le frisson. Mais il est aussi une manière plus optimiste de le considérer. C'est parce que la bombe fut l'œuvre de savants et non de politiques qu'ils eurent ensuite, tout au long de la guerre froide, le courage moral de s'opposer à son usage inconsidéré. Einstein, Szilard, Oppenheimer, Kapitsa et Sakharov en Russie devinrent ainsi des messagers de la paix et des théoriciens de la stabilisation de l'équation nucléaire entre l'Est et l'Ouest, notamment par le mouvement Pugwash. Jusqu'à présent, ce sont eux qui ont eu l'avantage.